C'est aux amis, c'est Johnny. On se retrouve pour encore une match. Je suis content, les gars. Encore, parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas sorti de vidéo. Donc, les gars, c'est pas aller voir l'ouverture Pokémon. Je sais pas quand elle est sortie, c'était du point de fusion. Donc, voilà. Là, je me retrouve le lendemain. Je suis allé à jouer club. J'ai trouvé un petit duo pack. Voilà, qu'on va ouvrir directement. J'en ai déjà deux chez ma mère, mais j'ai pas ouvert. Et il y avait des boosters en loose de display. Et donc, j'en ai pris deux. Donc, voilà. Voilà. Ouais. Donc voilà les gars, ce qu'on se trouve exactement, c'est qu'on va les peser ces boosters. Donc, on va les peser ces boosters, on va voir si j'ouvre tout les gars, parce que j'ai pas forcément envie de tout ouvrir. Ok. Donc les gars, ça passera pas forcément les mêmes pots que la display dernière fois. Niveau de star étincelante les gars, pour vous dire, je vais essayer de garder une display scellée. Essayer d'avoir quelques, quelques dizaines de boosters, une vingtaine si je peux, sortis de display. Voilà, de plusieurs displays de tabac, tout ça. Et ça va être des skipacks, tout ça. Mais skipacks, je vais pas faire comme Evolution Céleste. Je pense pas en ouvrir énormément. Peut-être juste pour les 4 promos. Donc voilà, on commence directement par ce petit booster. On pouvait en prendre que 2. J'aurais bien aimé en prendre peut-être 3, 4. Des fois, je les place parce que des fois, le poids peut varier. 31, 30, les gars. C'est que voilà, 30. La dernière fois, j'ai que des 70. C'est que ça vraiment dépend de display. Et ça. Ou 50, lui normalement il est lourd les gars. Donc ce qu'on va faire c'est que lui on va le garder. Lui on va le garder pour la fin de la... En vrai les gars on va l'ouvrir maintenant les gars, vous savez quoi. Normalement lui il est lourd. Je range la truc. Normalement lui il est lourd, il a 20 grammes de plus. J'espère du lourd les gars. Dans l'autre vidéo je vous suppose j'ai eu... j'ai eu une full art, une V et plusieurs holographiques. En vrai ça va sur 10 boosters. Je garde, si j'ai une ultra art je vous le donne les gars. Vous connaissez, des fois je fais ça dessus. Ok les gars, s'il vous plaît, une petite histoire. En vrai, si on arrive à une train, ce deux boosters, c'est vraiment incroyable. Après, compliqué les gars quand même. On va se cacher, mais compliqué, c'est possible. Énergie feu. Exacto. Darumacho de Galar. Pastille puissante. Darumaron de Galar. Oui, messieurs. Caninos. Exacto. Ok, c'est pas l'administration. J'ai remarqué. Morpeko, c'est que normalement, lui il est lourd. Normalement, je dis là. Toxizap en reverse. C'est sympa. Est-ce que dans quelque chose derrière? Un du tout holographique? Même pas une holographique. Même pas une holographique. Bon, il est un peu déçu, donc allez. Vous imaginez les gars, c'est que là, lui il fait 50 et l'autre il fait 30. Cette série n'est pas pesable, les gars. Cette série n'est clairement pas pesable. Voilà, c'est ça, cette série en fait est pesable dans certains moments, mais des fois non. Donc les gars, on va voir ce petit duo pack. En vrai, ça me fait pas mal au cœur, mais j'ai peur de rien avoir. Donc on va voir directement, parce qu'en fait, c'est clairement... Oh, les gars, c'est trop tard. En vrai, je pourrais tellement regarder comme ça, mais non. Là, c'est trop tard, les gars. Oh, il souffle tellement proprement, attendez. Regardez, les gars. Les gars, il souffle proprement, je pourrais tellement recoller. Regardez, attendez. Je vais essayer de l'ouvrir proprement pour vous montrer comme quoi je pourrais tellement recoller, là. Et je pense, que ça se trouve, il y en a qui l'ont déjà fait, hein. Ça se trouve, hein. De son temps parce que je suis pas un, je suis quand même, je suis un tout petit youtubeur et genre il y en a, ils battent les boosters. J'adore Kibiki, j'adore d'autres youtubeurs Pokémon, mais frère, pas tout le monde a les moyens. Et attendez les gars, j'ai trop le seum, j'ai ouvert un duo pack buggy, en plus je me suis même pas rendu compte quand je l'ai acheté, Et quand je l'ai ouvert, j'ai un duo pack buggy. J'ai deux fois Boreas. Oh, j'ai le seul. Bah, j'espère que j'aurai la chance d'aller booster, mais les gars, comme par hasard, en plus, on a vraiment deux magnifiques illustrations. Comme par hasard, quand j'achète genre un duo pack que je compte ouvrir, j'ai même pas remarqué. Ça aurait été vraiment cool pour la collection, les gars. Avoir un duo pack buggy. Oh, j'ai trop le seul. J'ai même pas remarqué. Un duo pack buggy, ça aurait été vraiment cool pour la collection. Bon, moi j'ai trouvé le titre, mais j'avais même pas remarqué. Oh, fait chier, parce que du coup, en plus, j'ai même pas les 3 cartes promo. Ah ouais, en plus, j'ai ouvert un duo pack buggy. Bon, j'espère vraiment avoir du lourd dans ces boosters, parce que ouvrir un duo pack buggy, genre, tu vois, d'habitude, c'est les cartes promo qui sont fait un peu carry, là. Y'a pas les cartes promo. Oh, fait chier, les gars. Allez, je vous donne le bon online pour un peu plus de chance, les gars, j'espère. Alors, les gars, donnez-moi de la force là dans les commentaires si vous êtes à ce moment-là de la vidéo. Parce que, les gars, j'espère avoir vraiment du lot, parce que, genre, si j'ai de la merde. Et que genre j'ai ouvert et qu'en plus j'ai ouvert un duo pack buggé avec les mêmes cartes promo, genre c'est nul parce que du coup j'ai même pas les cartes promo pour Delcati Darkrai. Putain, j'ai même pas rendu compte, je suis trop con. Crocodile Feuillot, putain, mon bouton, allez les gars, s'il vous plaît.
On explique. Oh, j'ai jamais vu cette illustration. Putain, il y en a qui ont eu plein de cartes, belles cartes, des V max, des alternatives. Oui, mais c'est. Oh, Camille. Et derrière? Rien du tout. Maternelle. Oh là là, pour l'instant, rien, les gars. J'espère vraiment du lourd dans l'évolution céleste. Même si je pense, les gars, on va pas se cacher. Je pense que j'ai rien à voir du tout, les gars. Dans ces duopas qui sont très compliqués. Oh, j'ai le seum, parce que du coup, je sais pas. What? Regardez-moi ce booster, les gars. J'ai même presque l'impression qu'ils ont été recollés, attendez. Il y a de la colle et tout là. Et les gars, il y a de la colle et tout qui dépasse. Et les gars. Oh, j'ai le seum parce que j'avoue que j'aurais bien aimé garder ce duo pack scellé du coup s'il est buggé, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai même pas les 3 cartes promo. Ça, ça fout encore plus seum. J'ai même pas les 3 cartes promo. C'est ça qui fout le seum. J'ai même pas les 3 cartes promo pour compenser si j'ai rien dans ce booster. Énergie électrique. Brésillon. Lanturne. Énergie trésor. Pikachu. Verpomme. Ponchio. Emolga. River. Non. Tentacool. Oh. Ok, derrière. Une petite holographique, non, trop puce. Oh, l'ouverture de merde, les gars. Allez, on a perdu tous les points. Donc, les gars, petit récapitulatif. Donc, bah, du coup, on n'a rien vu à part des petites rivers, tout ça. Donc, je vais garder ce booster scellé. Il est hyper léger. Ça se trouve, les gars, il y a quelque chose dedans, mais je pense pas. Donc, pour l'instant, je le garde scellé. Donc, voilà, les gars. Récapitulatif, on a ouvert 3 boosters. 2 points fusion, 1 et fusion céleste. En vrai, j'ai un peu le seum, les gars, parce que, de toute façon, j'ai un peu le seum, les gars, d'avoir rien mis dans le duopack. Mais je me dis, c'est le jeu, tu vois, c'est le jeu, même si j'ai le seum. Mais je me dis surtout que j'ai ouvert un duopack buggé. J'ai ouvert un duopack buggé. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je viens de vous dire que la malchance, ça arrive. Mais par contre, quand même, frère, pas avoir d'ultra rare et en plus d'avoir un duopack buggé. Mec, si j'avais vu, en plus, j'ai pas fait attention. Je le regardais scellé, frère. J'ai même pas remarqué. Donc voilà, les gars. Ciao.